chérie, tu n'es pas normal. Ce n'est pas normal. Tout sort d'une ronde. Tu n'es pas normal. Funk tripotant Didier Arafat. Mais oui, je vais réagir dessus. Mais oui, faut t'abonner. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Avant qu'il commence à vous framponner, avant qu'il commence à framponner le ventripotent, faut t'abonner. Voilà. Salut, salut famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur Héritor. Ça chauffe pas. Toujours là à présent. Bien vrai que actuellement je suis un peu triste par rapport à la situation de mon artiste, mais comme c'est un champion, il va s'en sortir. Il s'agit là de Debordo Likoufa, élan de solidarité. Voilà, mais cela ne m'empêchera pas de réagir sur le tout dernier Didier Arafat ventripotent featuring NASA. Ouais, c'est bon ou pas? Soyons francs, c'est bon ou pas? On va se prendre juste après le générique. Je pense qu'après le générique, vous allez savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Mais franchement, je reste un peu mitigé après la sortie de ce clip-là. Les détails après le générique. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, à la base. Je procède à des virements. Avant tout propos, sachez que j'ai rendez-vous avec Koyoko et Serge Bino demain. Demain, 10h, j'ai rendez-vous avec Koyoko et Serge Bino. Ne pensez pas qu'il serait épané. Voilà, faut qu'on soit un peu dur avec nos artistes pour les amener à travailler encore. Voilà, mais aujourd'hui, on parle de ventripotent de Didier Arafat. Accordez-moi aussi quelques minutes pour parler un peu de ces personnes-là que j'ai envie de soutenir, que j'ai envie de pousser. Le premier groupe, c'est Process Rima et featuring Nojo. Ils ont sorti Téléphone. C'est vrai, comme je vous ai dit dans plein de mes vidéos précédentes, il y a eu un problème d'oreille, donc vous n'avez pas vraiment fait le truc comme il savait, comme il se devait, quoi. Mais je sais que je peux compter sur vous. Voilà, le lien en description. Le lien du téléphone est en description. Allez envoyer les vues là-bas. Voilà, augmenter les vues. Parce qu'après 6 jours, seulement 900 et quelques vues, c'est pas normal. Voilà, Héritor même en quelques heures, en quelques minutes, fait 1000 vues. Donc c'est pas normal que le groupe que je supporte traîne actuellement à 900 vues. N'oubliez pas aussi cet artiste là, Wangeli. Voilà, Wangeli. Bientôt je vais vous parler aussi d'une artiste très très talentueuse, elle s'appelle Rose D. Tapez dans la barre de recherche YouTube, tapez Wangeli, écoutez sa musique et abonnez-vous massivement. C'est un artiste ivoirien, il a besoin de ses frères ivoiriens et de toute la communauté africaine pour le soutenir. Voilà. Maman Gaspé Lagi, vous connaissez, apparemment j'ai de bons retours. On dit la dame là, c'est vrai que c'est une dégameuse dans son mode. Tchatchogang, mais elle a de vrais produits. Donc allez sur Facebook, tapez Pelagi Gas et causez elle. Vous allez voir ce qui va se dérouler sur votre corps. Voilà, va être des jours là même, mes abonnés disent qu'il irritant. Ton teint un pimpant, tu deviens de plus en plus mignon. Tout à l'heure maintenant pour le décryptage de Vendredi Boutonne Didier Arafat. Voilà les amis, Didier Arafat, c'est un fin stratège. Je n'ai rien compris. Je n'ai vraiment rien compris. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien suivi l'actualité de la TIS. Mais je m'attendais à Kong. Voilà, vous savez que j'ai multiplié des vidéos pour vous parler de Kong. Mais je ne sais pas si c'est par peur ou bien par stratégie. La TIS nous a livré ventripotent featuring avec NASA. Bien avant de vous parler de ce son-là, j'aimerais que les Chinois me disent en commentaire, est-ce qu'ils ont été un peu mélangés comme moi? Ou bien c'est moi? À mon niveau, je n'ai pas bien perçu la communication de Latis. Son dernier direct nous disait que Kong arrive pour fracasser tous les jaloux. Mais malheureusement, il nous a servi ventripotent. Bon, il n'y a pas de problème, on parle de ventripotent. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un morceau qui n'a pas besoin d'être critiqué. Hein. Voilà, critiqué surtout négativement. Parce que quand le travail est bien fait, il faut reconnaître les bienfaits. J'ai pris le temps d'écouter le morceau parce que je l'écoutais déjà à 6-10 heures. J'ai pris le temps de l'écouter encore, de l'apprécier encore avec ce clip-là. Et je pense que le clip a redonné encore de la valeur à ce morceau figurant sur le titre, sur l'album Renaissance de Didier Arafat, ventripotent, dans lequel il est en featuring avec NASA. Vous voyez bien que l'artiste sait s'y faire sur tous les rythmes musicaux. Voilà, là c'est de l'afro, trap, un peu de rap. Franchement, moi j'ai aimé le morceau. Voilà, les jaloux vinons disent que et Arafat n'a encore rien chanté, mais franchement, quand c'est bon là, on a dit que c'est bon. Vous savez très bien qu'il est tort. Quand c'est tordu, il va vous dire que c'est tordu. J'ai écouté le morceau. J'ai écouté le morceau. Mais j'arrive pas à trouver une faille. Une faille dans le morceau pour venir attacher un peu Didier Arafat. J'ai promis mettre pas, mais apparemment c'est le morceau qui est en train de me mettre pas. Oui. Parlons d'abord du clip.
Je pense que Didier Arafat est en train de monter, vraiment monter les enchères de budget des clips au sein du Kopé-Décalé. Parce que après Moto Moto là, ce clip de Ventre Potent là lui a coûté au moins une dizaine de millions. Voilà. Quand on regarde la qualité d'image, quand on regarde le montage qui n'est pas trop embrouillé, qui n'est pas trop brouillon, on peut dire que l'artiste a encore misé sur son image, a encore misé sur un de ses clips. Parce que vous savez, jadis, les clips de Didier Arafat étaient trop décriés parce que ses morceaux étaient lourds, mais les clips étaient un peu moyens, je dirais. Mais franchement, depuis un certain moment, depuis Do Sabato, son clip Do Sabato, et je crois Enfant Béni aussi, je crois aussi son featuring qu'il a fait là, je crois Saint Love avec Ivan Trésor, Moto Moto, et aujourd'hui Ventre Potent, je pense qu'au niveau des clips, on n'a rien à reprocher à Didier Arafat parce que le gars, il comprend toutes nos critiques, il a appris de toutes nos suggestions, il a commencé à vraiment investir dans son clip. Petite parenthèse, j'aimerais dire aux artistes ivoiriens et africains que c'est le clip qui donne de la valeur et à ton image en tant qu'artiste et à ton morceau même que tu veux faire la promotion là. C'est-à-dire, ta première promotion même c'est ton clip d'abord. Bah, si ton clip est beau, tout le monde va le télécharger pour l'écouter souvent à la maison ou bien soit dans son téléphone. C'est ça le but des clips en fait. C'est ça l'importance aussi des clips. Donc essayez de voir ce côté-là. L'audio, c'est intéressant. On sait que l'artiste est fort. Mais il faut toujours accompagner des clips. Et des très beaux clips, comme Ventre Potent de Didier Arafat. Ça, seulement moi, je n'ai rien à dire, quoi. Le gars, il a tué. Quand quelqu'un tue, là, on a dit bravo. Donc, moi, j'applaudis. Bravo, Didier Arafat. Là, vraiment. J'espère que Kong, là, tu vas pas te soigner. Il t'attend toujours. Aujourd'hui, tu vas dribbler. Mais demain, il va t'avoir. Voilà. Il va t'avoir. Kong, on a calculé comment ça va sortir. Actuellement, on est en train de parler, là. C'est vrai, Ventre Potent est chic, c'est un morceau tranquille. On danse avec le ventre, après on met ça à la danse des riches. Donc bon, comme tu es actuellement là, je suis sur la route de la richesse, là, je ne suis pas encore riche. Je ne me sens pas concerné de passer cette danse-là. Mais on dit quoi? C'est pour soutenir. Donc même si dans ma galère là, on met le morceau en bois, je vais me lever pour danser. Ventre Potent. Bon, vous savez, moi je suis un petit menteur, je suis un petit menteur. Puis rendez-vous le 15 septembre, n'oubliez pas. Le single d'Erito, voilà, faut que je profite pour dire aux Chinois que moi je ne critique pas pour critiquer. Quand vous allez écouter le morceau là, vous allez dire, wouh, Erito, pourquoi tu ne chantes pas? Ça ne m'intéresse pas. Bref, j'espère que vous avez retenu la date 15 septembre. Donc je poursuis, je poursuis encore. Français, c'est compliqué. Hein. Bref, c'est ça aussi, un seul aléa de vidéo. Vidéo. Big up au ministre de la Yeronganga. Je continue ma vidéo. Donc vous voyez, le clip, il n'y a vraiment rien à dire. Le mec, il a mis du jeton dedans, il a mis du blé dedans, et puis le résultat est là. Malheureusement, ces beaux clips ne peuvent pas faire les beaux jours de Trace S, Trace Africa et de Trace TV. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Voici des problèmes qu'on doit régler pour l'avancement de la musique ivoirienne, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On est toujours dans les querelles, dans les guéguerres inutiles. Oh merde. Didier Arafat, quand même, tu sais que Trace Africa, Trace et Trace TV, ce sont de grosses chaînes. Trouvez un terrain d'entente, nous on va régler tes clips, pas possible. On sait que tu passes sur d'autres chaînes comme Iva TV. Mais tiens, réglez votre problème là. Nous on a combien de traces? À cause de toi, même souvent, on a qu'un chemin pour les traces, on a tous les problèmes. En bout de bout, parce que tu passes plus là-bas. C'est un ton, tu vois, on ne sait pas souvent, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit, mais on ne comprend pas. Tu n'es pas bien diffusé sur Trace. Tu n'es pas bien diffusé sur Trace. Ça aussi, c'était une parenthèse. Voilà. Sinon, au niveau des couplets, moi, je pense que les couplets vont de bon trait avec le titre du morceau, quoi. C'est un morceau on va dire quoi. Pas de dégommage, mais un morceau fun. Voilà. Un morceau où on ne se prend pas la tête. Un morceau où on vient pour faire le malin. Un morceau où on vient pour se lâcher. Voilà. Donc. Il faut applaudir l'artiste quand il travaille bien. C'est ce que je fais dans cette vidéo-là. Et je suis très fier du résultat qu'a fourni Didier Arafat et Nas dans Ventre Potent. On va dire, au niveau même des tenues bien choisies. J'ai surtout adoré la petite partie où on voit, je crois que c'est Gucci, non? Vos chaussures là. Vos deux Gucci là. J'aime bien cette séquence-là. C'est parce que vous ne faites pas attention. Le lien est en description. Vous pouvez aller regarder le clip. Vous verrez de quoi je parle. Le clip est vraiment, vraiment parfait. Il n'y a rien à dire. Voilà. Mais il y a un petit truc. Voilà. Ça ne va pas se passer comme ça. Il y a un petit truc dans le morceau là. Il y a un son comme si genre. Bon, 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 bon. Le bon, bon, bon là, ça résonne trop. Voilà. Il a trouvé un argument pour attacher Didier Arafat et son Ventre Potent. Voilà. En tout cas, félicitons l'artiste. Il a encore fait du bon boulot. Voilà. On a écouté Ventre Potent en audio. Et je pense que ce clip a bien encore donné de la pêche à ce morceau-là. Et bon, s'il y a une bonne promotion qui est derrière, le morceau va aussi va cartonner. Voilà, parce que nous on appréciait déjà dans nos téléphones avec Deezer et consorts.
Donc, Mars de partage, si vous êtes d'accord avec cette réaction-là, il n'y a rien à dire en fait. Je l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Moro, il a bossé. Voilà. Il a bossé. L'équipe, il a tué. On a dit quoi là? Que l'équipe n'est pas bon. Et puis, regardez même, comme il parle des gens qui ont des gros ventes, la plupart des filles sélectionnées pour figurer dans ce clip-là sont un peu fortes. Et ça, j'ai adoré ça aussi. Voilà, on a pas seulement besoin de voir des clips où les filles sont seulement minces. Voilà, on aime les filles qui sont en rondeur parce que les femmes rondes, elles sont très belles aussi. Voilà, Didier n'a pas même les femmes rondes. Big up à la mère de la Chine. Voilà. C'était Eritor, j'espère que vous avez aimé mon décryptage. Ma réaction, suivez votre temps, Didier Arafat. Partagez la vidéo au maximum et soutenez vos artistes. Force à Debodoli Koufa.